entendre son nom, en car mes défauts sont graves. Je suis venu en éclaireur, pourtant mon cœur est en naufrage. Je ne suis qu'un homme qu'ils prennent pour guide, que le diable a pris pour cible. Mes péchés sont nombreux, tellement nombreux que je ne peux pas les dénombrer. Je peux qu'espérer que Dieu me pardonne, qu'il m'accorde le repentir avant que ma dernière heure sonne. J'écris peut-être un de mes textes les plus poignants, car à cette heure, ma vie semble prendre un tournant. Les tourments font suite au rebondissement, comme quoi, toi, comme moi, on n'est pas à l'abri du changement. Mais au fond, ai-je vraiment changé? Je dois constater que pour moi-même, je reste un danger. La foi, c'est tout ce que j'ai. Et si je la perds, frère, je perds tout ce que j'ai. J'ai mis ma vie en feu de détresse, dans l'attente d'une aide tarde à me venir. Je suis envahi, écrasé par mes faiblesses et sur le point d'ignorer ce qu'Alex Matura va devenir. L'avenir me paraît sombre, le soleil brille toujours, pourtant je sombre. Plus rien de certain si ce n'est la tombe. Je distingue plus mon chemin, il y a trop d'ombre. J'ai fait ce que je pouvais, à défaut d'avoir accompli ce que je voulais. Je suis étonné d'être encore debout et parfois ce que je fais, je t'avoue, j'ai du dégoût. Je me fais peur, je suis à plaindre. Mais si je baissais les bras, je serais à craindre. Avec ce qui reste de moi, je me bats. Et avant tout, ce sont mes pulsions que je combats. Avec ce qui reste de moi, je lutte, je m'accroche. Mais malgré moi, je chute. Avec ce qui reste de lui, jusqu'où Alex Matura pourra tenir le coup. Ma vie en feu de détresse, j'attends une aide qui tarde à me venir. Je suis envahi par mes faiblesses, au point d'ignorer ce qu'Alex Matura va devenir. J'ai mis ma vie en feu de détresse. J'attends une aide qui tarde à me venir. Je suis envahi par mes faiblesses, au point d'ignorer ce qu'Alex Matura va devenir. Parfois j'ai l'impression que je n'y arriverai pas. Et là, je n'ai plus envie de me battre, mais baisser les bras, crois-moi. Le combat contre le mal est sans pays intense. Il fait mal de gire comme un couteau dans une plaie. Je me vide, je me perds, mon cœur saigne, j'appelle à l'aide, mais je trouve personne qui puisse apaiser mes peines. Même pas sur l'épaule sur laquelle je pourrais me reposer. Tant de pression accumulée, un jour je pourrais exposer ton petit posé au danger. J'en bois du coup, les nerfs à vivre, à cran, je pourrais devenir ouf. Scotché à mon lit, je peine à me lever. Je me dis qu'il y a quelques années, j'aurais souhaité crever. Excusez-moi, mais je traverse une tempête à bord d'un navire que je n'ai même pas le droit de déserter. Je trouve pas de médecin qui puisse enfin guérir mes mots. Et combien comprendront mes lettres derrière ces mots? Ce texte, récit d'un homme qui a beaucoup perdu, peut-être d'un chercheur qui s'est perdu. Pardonne-moi si je ne suis pas à la hauteur, si je ramène la honte plutôt que l'honneur. Pardonnez-moi si je ramène la défaite plutôt que la victoire, la certitude plutôt que l'envie de croire. Car moi, j'ai fait ce que je pouvais, à défaut d'avoir accompli ce que je voulais.